vaste projet, s'inscrit dans un vaste projet autour des activités de pleine nature sur l'ensemble de Vichy Communauté. Et l'idée, c'est vraiment de créer, et à partir de l'activité de pleine nature, de créer une vraie dynamique économique et une vraie dynamique aussi autour de la qualité de vie pour nos habitants sur Vichy Communauté et attirer, faire valoir, valoriser ce territoire pour qu'il le rende aussi beaucoup plus attractif pour peut-être demain, au-delà des touristes, qu'il y ait des gens qui aient envie d'habiter encore plus la montagne bourbonnaise, notre beau territoire de Vichy Communauté. Les gens sont énormément aujourd'hui en recherche, évidemment pour le tourisme, mais le tourisme passif, entre guillemets, ça n'existe plus. Aujourd'hui, ce que souhaitent les gens, c'est un tourisme où on peut avoir des activités, faire de la randonnée, faire du parapente, faire de l'escalade. On va développer énormément les sites d'escalade. Et tout ça, effectivement, ça développe le tourisme. Mais au-delà de ce développement touristique, la stratégie globale pour Vichy Communauté, c'est de faire du sport aussi un vecteur d'économie. On voit bien que tous ces gens qui vont venir des quatre coins de la planète, eh ben, vont dans les gîtes de la montagne, vont dans les hôtels de Vichy, donc d'une certaine manière envahissent positivement l'ensemble du territoire et génèrent des vraies retombées économiques sur notre territoire. Donc oui, le sport, les activités de pleine nature, c'est une vraie ambition pour le développement de notre territoire. Aujourd'hui, ce qu'on peut effectivement, et c'est extrêmement intéressant, c'est de voir le point de vue aussi de ce site, la qualité de la vue, et puis insister sur un autre point qui est un peu une donnée un peu en fil rouge sur tout ce que l'on souhaite développer, c'est la notion d'handisport et paralympique, parce que c'est quelque chose d'extrêmement important dans ce qu'on va développer sur le cœur d'agglomération, mais aussi sur tous nos sites dans la montagne bourbonnaise que l'on va développer. Il faut que ces sites soient accessibles à tous, et qui dit accessible à tous dit aussi accessible aux personnes à mobilité réduite, et c'est extrêmement important. C'est quelque chose que l'on porte évidemment dans nos valeurs, puisqu'on pense qu'il faut surtout pas, il faut un territoire qui inclut, pas un territoire qui exclut, mais aussi c'est aussi source de développement, puisque des sites comme ça totalement accessibles, il n'y en a pas tant que ça en France, pas tant que ça dans notre région, donc c'est aussi un moyen de rendre notre territoire encore plus attractif. Ils m'ont expliqué longuement leur projet. Je les ai écoutés attentivement, mais je me suis dit ça va pas le faire. Ils sont un peu basus. Basus, ça veut dire un peu fou. Et voilà, ça s'est fait. Et depuis, ça s'est beaucoup développé. Et je suis super contente et super fière d'eux, en fait. Et depuis, il y a beaucoup de partenaires, d'autres partenaires qui se sont joints au projet. Et c'est génial. Oui, le site a 3 ans à peu près, et puis donc c'est la deuxième inauguration, parce que la première inauguration s'est passée il y a 2 ans exactement, pile. C'est l'anniversaire, on fait une deuxième inauguration pour le décollage, pour les handicaps. Tout au long de l'année, de nombreux partenaires se sont impliqués dans le projet, dont maintenant Vichy Communauté. Ce site se situe donc à la Loge des Gardes, après la station de ski, juste dans le prolongement du chemin, Sainte-Marie-des-Bois. La Loge des Gardes est située dans l'Allier, et c'est sur la route entre Vichy et Roanne. L'évolution, c'est faire une tyrolienne, pour les exercices d'ouverture de parachute de secours. Et apparemment, ça pourrait se faire. Et puis, l'achat d'un fauteuil pour les baptêmes handicapés. Pour personnes à mobilité réduite. Ça devrait se faire aussi. Les partenaires sont confiants.